Kindi. 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 On va le prendre. Simaka, viens. Simaka, pardon. Pétier. Non. Tu sais, il y a des chercheurs d'images. Le petit, c'est ça. Tout donc. A filmé Tedouarana prisonnier. Il faut moi, il me pose qu'à quoi prisonnier. A filmé Tedouarana prisonnier. Moi, ma voix, c'est qu'à quoi prisonnier. Ah. Qu'est-ce qu'un enfant m'a fait? Ah, oui, c'est différent. Non, mais pourquoi il y a des prisonniers politiques? Il y a beaucoup de choses. Apparemment, ce sont les... tu sais, il y a des prisonniers VIP. Non, il a fait 15 mois sur 18. Ça, c'est clair. Oui. Tout à fait. Je suis pas prêt. Mais je suis en train de faire des choses.
What's your problem? Vous avez volé quoi? Écran télévision, d'accord. D'accord, vous avez volé, vous reconnaissez avoir volé? D'accord. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant, vu que vous êtes sorti? Vous allez reprendre ou bien vous allez vous contenter à faire quelque chose d'autre? D'accord. Vous travaillez sur quoi? C'est quoi votre métier, Médier? Vous êtes pigeantier? D'accord. Merci. Lui, il ne veut pas être vu. Il a raison. Ne voulez pas que son visage soit vu. Un prisonnier qui prie après avoir été libéré. C'est cet événement que nous vivons ici à la maison centrale de Conakry. Les prisonniers sortent et puis sont très contents à tel point qu'ils prient. Non, c'est bon. Courage. C'est la vie. Bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes à la maison centrale de Conakry. Ils sont en train de procéder à la libération des prisonniers qui ont été tracés. Et vous, en tant qu'avocat, qu'est-ce qu'on peut dire de cette libération? Voilà, je vous remercie. Il faut d'abord remercier le bon Dieu, le Tout-Puissant Allah, ainsi que les nouvelles autorités de notre pays. Alors peut-être le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la République,
qui, dès après le 5 septembre 2021, a décidé de remettre en liberté certains détenus qui complissaient dans les prisons de notre pays, surtout les détenus politiques. Donc c'est le troisième déjà de libération. Et aujourd'hui, certains de nos clients ont été libérés par le décret de M. le Président de la République qui était poursuivi téléphone pour plusieurs infractions. Donc Dieu merci, ces détenus sont libres, ils vont regagner leur domicile et une fois de plus, nous remercions les autorités qui ont accepté de remettre leur peine, d'une part. D'autre part, aujourd'hui, nos concitoyens réclament vivement la libération du commandant AOB et de M. Changilabobi. À chaque libération, nous recevons beaucoup d'appels, des SMS, des messages, nous demandant pourquoi le commandant Aoubé n'est pas libéré, pourquoi Jean Guilaboubi n'est pas libéré, pourquoi le colonel Mamadou Alpha n'est pas libéré. La réponse est simple, chaque chose a son temps. C'est le moment qui n'est pas arrivé encore. Sinon, nous pensons que avec l'élan qui est pris, ce n'est pas exclu qu'un jour qu'il puisse bénéficier de la libération. Donc je profite de ce moment précieux pour une fois de plus implorer la grâce de Dieu, demander pardon aux nouvelles autorités partout où leur libération coince ou décoince, que les uns et les autres acceptent le pardon. Tout ce qu'ils ont eu à faire du mal, qu'on accepte de les pardonner et qu'on les libère. Parce que la liberté n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, la vie n'a pas de prix. Lorsque vous perdez une de ces trois vertus, votre existence est sérieusement compromise sur terre. Je viens de les rencontrer individuellement. Le commandant AOB d'ailleurs traîne toujours des éclats de balles depuis 12 ans. Il a une démarche très difficile, très malade. Je crains même pour sa santé. Donc partout où ça coince, partout où il y a un blocage, nous demandons pardon. Nous sommes des demandeurs de justice, nous demandons pardon. Pour que le commandant AOB soit libéré, Jean Guilaboubi et le colonel Mamadou Alpha Barré. Ce sont des libérations qui sont vraiment, vraiment attendues par nos concitoyens. Sincèrement. Le moral est au top. N'oubliez pas qu'ils sont là depuis des années. Les deux premiers ont déjà passé 12 ans et le second est à 1 an, 8 mois, condamné à 4 ans. Ce n'est plus le moment de polémiquer ou de rentrer dans le juridisme ou dans le judiciaire. C'est le moment de la clémence. Nous demandons la clémence. Nous demandons la bienfaisance. Nous demandons vraiment le pardon aux autorités. Que ces droits-là que nous tenons à cœur, que nos concitoyens tiennent à cœur, puissent recouvrir leur liberté. Je vous remercie. Merci.